Merci beaucoup. Est-il encore nécessaire de présenter Auguste Tolbecq ? De nombreuses études lui ont été consacrées ces 30 dernières années, parmi lesquelles une importante monographie publiée en 1997, rééditée en 2012, et des articles portant sur ses activités de luthier, de collectionneur d'instruments ou de musicien. Nous découvrons, ou plutôt redécouvrons par l'enregistrement récent de Christophe Coin, l'œuvre musicale sensible et contrastée de ce personnage parfois énigmatique, aux critiques acerbes et sans concession. À partir de 1875, sa vie niortaise est principalement ponctuée par ses travaux consacrés à la lutherie, notamment par ses célèbres reconstitutions d'instruments allant de l'Antiquité à la Renaissance, par ses concerts privés des vendredis et dimanches au Fort Foucault ou par son activité de chef d'orchestre de la Société Philharmonique de Niort. Son travail est également sans cesse motivé par la redécouverte de répertoires anciens, notamment pour la viole qu'il pratiquait en parallèle du violoncelle, et par une curiosité pour les sonorités du passé visant à nourrir ses recherches et expérimentations. C'est précisément sur ce dernier point que cette communication portera aujourd'hui. La bibliothèque François-Land de Royaumont conserve dans le fond André-Isoard une chemise cartonnée ayant appartenu à Auguste Tolbecq qui contient des partitions imprimées et manuscrites des pièces de clavecin en concert de Jean-Philippe Rameau. Quel est le contenu précis de cette chemise? Dans quel but ces partitions furent-elles acquises? Enfin, quelles pouvaient être les connaissances de Tolbecq sur Rameau? Cette étude nous donnera également l'occasion d'évoquer son importante bibliothèque au Fort Foucault et de faire le point sur ses connaissances théoriques et musicales relatives à sa pratique de la viole. Alors que Thomas Vernet, responsable de la bibliothèque musicale François-Land de Royaumont, venait de recevoir en avril 2018 la donation de la bibliothèque de l'organiste André Isoard, il eut la générosité de prévenir Patrick Florentin, qui est un grand collectionneur de Rameau, Florence Gétraud et moi-même, de l'existence d'une chemise cartonnée contenant plusieurs partitions de Rameau et comportant la signature d'Auguste Tolbecq. Essentiellement composée de partitions modernes pour orgue, le fonds Isoard comportait seulement quelques documents anciens. Après avoir contacté le fils d'André Isoard, Daniel Isoard, il n'a pas été possible de retracer la manière dont ces documents étaient entrés dans la bibliothèque personnelle de l'organiste. Une piste pourrait toutefois être envisagée. Auguste Tolbecq fut un ami proche et du compositeur et organiste Alexandre Guillemant, et André Isoard avait reçu un fonds de partitions lui ayant appartenu. Les partitions ont donc pu passer de l'un à l'autre assez aisément. Une mention manuscrite de la main de Tolbecq, basse de viol et clavecin, est apposée sur le plat supérieur, ainsi que le mot « viol » et le chiffre 8 réalisé au pochoir sur la tranche. De forme à 37,5 par 29,5 cm, la chemise contient deux types de documents. Il s'agit en premier lieu de deux versions imprimées des pièces de clavecin en concert de Jean-Philippe Rameau. Elles se composent d'une édition londonienne, publiée chez John Walsh en 1750. Cette partition générale, insérée dans une sous-chemise portant la signature de Tolbecq, comporte quelques annotations ou indications au crayon rouge. Comme l'indique Denis Herlin dans sa préface à l'édition critique des pièces de clavecin en concert, publiée dans le cadre des Opéra Omnia, en dépit de la page de titre anglicisée et de l'utilisation de concerto au lieu de concert, la gravure de la partition Walsh suit précisément la première édition parisienne publiée 9 ans plus tôt, en 1741. Également dans cette pochette, une chemise contient aussi une édition imprimée non datée, dont voici le titre à l'écran. On relèvera une erreur de date, 1712, pour les pièces de clavecin en concert. Et contrairement à la première édition, imprimée, cette autre édition ne comporte pas d'annotation et se compose des parties séparées de violon et de violoncelle, ainsi que de la partition générale du premier concert, composée de trois pièces, la Coulicam, la Livrie, le Vésinet. Un article d'Adrien Lafage, paru dans la Revue et Gazette musicale de Paris du 22 novembre 1857, annonce la publication de cette édition et permet donc de dater plus précisément ce document. Cette date semble coïncider avec l'adresse connue de l'éditeur Lavinet, rue Notre-Dame des Victoires, dont le répertoire se concentre sur la musique ancienne. Lafage communique dans son article des éléments intéressants. Depuis un certain temps, des artistes de mérite semblent se plaire à faire entendre de temps à autre quelques-unes de ces vieilles pièces de nos vieux maîtres, si différentes de celles que l'on publie de nos jours. Parmi eux se remarque particulièrement M. Delsart, professeur de chant, qui en ces dernières années s'est plus spécialement appliqué à l'étude de l'ancienne musique. Les pièces de clavecin composées par Rameau sont, à mon avis, bien plus intéressantes que ses opéras, et il y a bien plus à en conserver. Il faut donc savoir gré à M. Delsart d'avoir remis en lumière ces pièces devenues fort rares. Rameau les avait écrites pour le clavecin, violon et basse de viol,
À cette dernière partie, M. Delsarte a substitué un violoncelle, ce qui a l'inconvénient de porter ce dernier dans ses degrés les plus élevés. Pour bien faire, il aurait fallu distribuer cette partie entre un alto et un violoncelle, mais sans doute l'éditeur aurait craint d'altérer en quelque chose l'œuvre d'un de ses compositeurs pour lesquels il professe un si juste respect. Alors, je n'ai pas pu trouver d'autres commentaires au sujet de cette édition, mais si on se réfère à la page de titre, on constate que plusieurs livraisons étaient prévues pour les autres concerts des pièces de clavecin. Par ailleurs, Delsarte est connu pour ses travaux de recherche autour des répertoires vocaux et instrumentaux oubliés, dont plusieurs volumes sont conservés au département de la musique de la Bibliothèque nationale de France. À côté de ces deux sources imprimées, se trouve également l'ensemble des pièces de clavecin en concert, reliées en deux cahiers distincts et sous forme de parties séparées manuscrites. Violon et flûte d'une part et viol d'autre part. Probablement préparées en vue d'une exécution, elles comportent la signature d'Auguste Tolbecq. Après comparaison avec d'autres sources manuscrites, notamment sa correspondance avec Victor Charles Maillon, les indications laissées sur ces documents ne laissent que peu de doutes quant à leur auteur. De plus, il pourrait s'agir à notre connaissance des premiers documents musicaux autographes connus de Tolbecq, si l'on tient compte également d'un offertoire lui étant attribué, retrouvé sur la tribune de l'église Saint-André de Niort. La comparaison de ces deux sources musicales pourrait permettre de confirmer définitivement cette attribution. De quoi se composent les annotations laissées par Tolbecq ? Doigté, position, coup d'archet, liaison, nuance, phrasé, agrément, reprise, indication d'exécution notée au crayon ou à la plume, figure dans l'ensemble des mouvements de la partie de viol, instrument que Tolbecq pratiquait. On retrouve également l'utilisation d'un crayon rouge, similaire à celui utilisé dans l'édition imprimée Walsh. La partie de violon-flûte est nettement moins annotée, mais comporte tout de même quelques ajouts, indiquant clairement une utilisation de ce matériel en vue d'une exécution. Reprise, phrasé, quelques doigtés dans la livrée pouvant correspondre à des doigtés de violoniste. Les mouvements copiés dans leur intégralité suivent scrupuleusement la disposition et les titres des éditions imprimées. Dans quel contexte ces pièces de clavecin en concert furent exécutées ? Quel rôle joua Tolbecq dans cette exécution ? S'il critiqua ouvertement les concerts historiques organisés par François-Joseph Fétis à Paris entre 1832 et 1833, et durant lesquels il dit que le plaisir des yeux suppléait évidemment à l'enchantement des oreilles, qu'en fut-il de ses propres interprétations ? Prenant la direction du Conservatoire Royal de Bruxelles à partir de 1871, François-Auguste Gewaert aura l'ambition d'en faire un musée sonore, comme l'indique Henri Van Ulst dans un article publié en 2011. Entre 1879 et 1890, 15 concerts historiques, avec le concours des professeurs et étudiants du conservatoire, seront organisés afin de mettre en valeur les collections du musée instrumental de Bruxelles. Je ne reviendrai pas sur le fonctionnement de ces séances qui ont fait l'objet de nombreux travaux par Malouen, notamment. Le second concert historique, organisé le 23 décembre 1879, nous intéresse particulièrement pour l'interprétation des pièces de clavecin en concert, et semble être en accord avec le matériel découvert à Royaumont. Le programme comprend trois mouvements, le Vésinet, la Livrée, les Tambourins, tirés des premiers et troisièmes concerts de l'œuvre de Rameau. On remarquera que la même erreur de datation 1712 subsiste, certainement due à la reprise du titre figurant dans l'édition Delsarte de 1857. Lors du concert, Tolbecq tient la partie de basse de viol. Quant aux deux autres interprètes, on sait grâce aux annuaires du Conservatoire Royal de Bruxelles qu'il s'agissait de Mademoiselle Emma Kesteloot au clavecin, brillante élève des classes de piano au conservatoire, qui obtient son premier prix en 1879 et devient cette même année monitrice, et de Jean-Baptiste Collins, professeur de violon au conservatoire, nommé en 1863. Par ailleurs, la plupart des instruments mentionnés dans le programme proviennent des collections du Musée instrumental de Bruxelles. Pour l'exécution des pièces de Rameau, les indications sont les suivantes. Un clavecin à double clavier du facteur toulousain Vincent Thibault, 1679, un dessus de viol du facteur parisien Nicolas Bertrand, 1701, et une basse de viol d'origine inconnue. Selon le catalogue du musée établi par Victor Charles Maillon, le directeur, l'instrument de Nicolas Bertrand, probablement un par-dessus de viol à six cordes et non un dessus, si l'on tient compte des dimensions de la caisse, provient de la collection Fétis. Cette tessiture est confirmée par Thomas McCracken dans sa base de données en ligne qui recense aujourd'hui plus de 1600 viols.
Toujours selon Maillon, l'instrument de facture est de facture très ordinaire, pardon, au vernis rouge opaque, comporte un manche terminé par une tête de femme sculptée. À propos maintenant de la basse de viol d'origine inconnue, mentionnée dans le programme, Tolbeck aurait-il souhaité apporter l'une de ses basses, l'une des basses de ses propres collections, ou bien encore l'une de ses reconstitutions? Quant au clavecin de Thibaut, l'un des trois instruments de ce facteur conservé au monde, celui-ci venait tout juste de rejoindre le musée de Bruxelles au mois d'octobre 1879, quelques semaines seulement donc avant le concert, et provient de la première collection d'instruments anciens d'Auguste Tolbeck. Devant faire face à d'importants problèmes financiers, l'entretien du Fort Foucault principalement, Tolbeck dut se séparer de 126 pièces de sa collection. Cette vente, comme l'indique Florent Gétraud dans son ouvrage « Aux origines du musée de la musique », fut l'objet d'un désaccord profond entre Tolbeck et le musée instrumental de Paris. Cette impasse le conduisit donc à proposer sa collection au musée de Bruxelles par l'entremise de Maillon. On peut ainsi penser que l'invitation de Tolbeck à Bruxelles dans le cadre de ce concert fut d'avant tout d'ordre diplomatique. Elle formalisait en réalité la vente de sa collection. Pour revenir au programme du concert, on peut s'interroger sur la nature de l'instrument utilisé dans la partie de dessus. Rappelons que les deux éditions imprimées londoniennes et parisiennes, tout comme celle de Delsart, mentionnent bien l'emploi d'un violon ou d'une flûte réalisant le dessus. Cependant, deux articles parus dans la presse belge indiquent que Collins jouait du dessus de viol, ce qui paraît étrange pour un violoniste, mais néanmoins possible. Le premier article, intitulé « Deuxième audition au conservatoire », paru dans l'Écho du Parlement du 25 décembre 1979, indique « Le dessus de viol joué par M. Collins et de Nicolas Bertrand, Paris 1701 ». Dans la seconde source, « Audition d'instruments anciens au conservatoire de Bruxelles », il est évoqué un chant sentimental confié au dessus et à la basse de viol que jouaient M. Collins et Tolbeck. Enfin, ce Musical Review du 5 février 1880, qui est une traduction américaine de l'article précédent, indique « A sentimental theme confided to the viol d'Abraccio on viol d'Agamba, played by Mr. Collius and Tolbeck ». Une faute d'ailleurs au nom de Collins. Je remercie d'ailleurs Florence de m'avoir signalé ce dernier article. Pour ce dernier article, le terme « dessus » a été traduit par « viol d'Abraccio ». S'il s'agit d'une erreur de traduction de la part de l'auteur, il n'en demeure pas moins que l'effectif proposé dans le cadre de ce concert va à l'encontre de ce que souhaitait clairement Rameau pour l'exécution de ses pièces. Quelles furent les raisons de tels choix? Pourquoi le violoniste Collins serait-il joué du dessus de viol alors qu'il maîtrisait parfaitement le violon, instrument explicitement prévu par Rameau? S'il jouait véritablement un dessus de viol, sa tenue de l'instrument était-elle vraiment académique? En tant que violoniste, et afin de ne pas contrarier outre mesure sa technique, on pourrait supposer qu'il ait opté pour une tenue proche de celle utilisée pour la viola da Spala. Quoi qu'il en soit, pour ce concert qui se déroula en présence de la reine et de la comtesse de Flandre, la presse ne tarit pas d'éloges sur les différentes prestations de Tolbeck, tant dans les pièces de Rameau que pour le reste du programme. Tolbeck y joua aussi une sonate de Handel pour basse de viol et une sonate de Boccherini pour violoncelle. Afin de mieux contextualiser les documents retrouvés à Royaumont, quelles furent les connaissances théoriques et musicales de Tolbeck sur Rameau et plus généralement sur la viole? Grâce au catalogue de vente des biens de Tolbeck publié en 1922, soit 3 années après sa mort, il est possible de se faire une idée de la nature des volumes composant sa bibliothèque. Constituée de 341 titres, dont voici la répartition thématique sous forme de diagramme, elle comprenait essentiellement un fonds de partition pour la plupart en édition originale, de traités théoriques et organologiques, de méthodes instrumentales qui en faisaient de prime abord une bibliothèque musicale d'usage, ou plus précisément d'interprète, la fonction de collection n'entrant que secondairement en ligne de compte. On notera que l'inventaire de 1922 présente un degré d'exactitude relatif dans les descriptions qui y sont fournies, les noms d'auteurs ou d'éditeurs y sont parfois mal orthographiés, plusieurs erreurs peuvent être relevées dans les dates d'édition. 5 documents imprimés font référence à Rameau. Il s'agit principalement de ses écrits théoriques, mais on relève aussi la présence au numéro 204 des pièces de clavecin en concert dans leur édition parisienne, celle de 1741, seule œuvre musicale de ce compositeur mentionnée dans la bibliothèque. Si l'édition londonienne Walsh est absente de cette liste, c'est peut-être qu'elle ne figurait déjà plus dans la bibliothèque à cette date, ou bien qu'elle n'avait pas été repérée dans la chemise cartonnée au moment de la vente de 1922.
En marge des partitions et traités, on pourra aussi signaler au catalogue la gravure sur cuivre de Benoît, d'après un dessin de Restoux, représentant le portrait de Rameau, ce qui témoigne encore du profond intérêt accordé par Tolbecq à ce compositeur. La bibliothèque de Tolbecq est aussi l'une des plus intéressantes pour l'étude de la viole et de son répertoire ancien dans la seconde moitié du XIXe siècle. On sait à travers sa correspondance que Tolbecq avait tissé un réseau de libraires et de bibliophiles, de notables. Il y a notamment un certain docteur Dumont, qu'il sollicitait régulièrement afin de nourrir ses recherches. C'est d'ailleurs comme bibliophile qu'il entre en contact avec Arnold Dolmetsch, ce dernier l'ayant devancé dans l'achat d'un ouvrage de Beauté de tout le monde qu'il convoitait auprès d'un libraire. Plusieurs raretés des XVIIe et XVIIIe siècles, toutes centrées sur la viole, méritent d'être relevées. Des partitions originales de divers auteurs de renom, donc on voit notamment des partitions de Quai-d'Hervelois, de Forqueray, de Marin Marais. Tolbecq disposait des 5 livres de l'édition de Marais, des trios également. On trouve également des méthodes de Jean Rousseau, de Simpson, de Playford, des traités théoriques et organologiques, Agricola, Praetorius, Kircher notamment. De l'iconographie également, de nombreuses gravures, dont Sainte-Cécile gravée par Picard d'après le Dominicain, qui est actuellement conservé ici au musée d'Agessy. Et puis d'autres gravures ici à l'écran et plusieurs tableaux à sujets musicaux également. Dans son œuvre emblématique, L'art du luthier, Tolbecq dresse une liste élargie du répertoire pour la viole qu'il juge indispensable. Une bonne partie de ses références proviennent directement de sa bibliothèque. Il donne également un état de ses connaissances des méthodes et semble davantage intéressé par celle de Simpson, qui offre des figures des différentes typologies de viol et archets et livre des données intéressantes pour leur reconstitution. Longueur, largeur, rondeur de touche, forme de chevalet, gravure présentant l'instrument en situation de jeu. Sans doute, Tolbecq a-t-il rencontré de nombreuses difficultés dans la tenue de l'archet, l'ergonomie ou le montage de l'instrument, car la pratique restait encore assez confidentielle et la technique bien éloignée de celle du violoncelle. À propos de l'introduction d'une 7e corde par Sainte-Colombe, il écrit dans L'art du luthier « Cette dernière innovation fut bien fâcheuse, hélas, car en faisant descendre la viole une quarte en dessous du ré grave, on altérait sensiblement la sonorité générale des autres cordes, et l'on embarrassait encore davantage le maniement de l'archet. La tenue de celui-ci était à l'époque toute différente de celle que nous avons actuellement. La main droite, au lieu d'être placée sur la baguette, se trouvait au-dessous, à la façon des pifferari italiens qui jouent du violon en appuyant l'instrument contre l'abdomen. » Cette position de l'archet, encore usitée en Allemagne par les contrebassistes, donne plus de force, dit-on, mais le détacher devient très difficile, pour ne pas dire impossible. De plus, sur la viole, le grand nombre de cordes, à part la première et la septième, avait peu de saillie, et l'on ne parvenait pas à détacher sans toucher à la voisine qu'à la condition d'avoir l'archet très près du chevalet, ce qui donnait une qualité de son de guimbarde très caractéristique. Il est assez paradoxal de constater que Tolbecq, ayant pourtant réalisé des copies d'archets anciens et connaissant, semble-t-il, les traités, ne soit pas parvenu à des résultats plus concluants. L'adéquation entre l'instrument et l'archet lui fut peut-être particulièrement compliquée à trouver. C'est ce que semble en tout cas confirmer la partie de basse manuscrite des pièces de Rameau conservées à Royaumont. Dès les premières mesures de la livrée, on constate une inversion des coups d'archet, tirés pour pousser, notamment, qui met plutôt en avant une technique de violoncelliste, ce qui pourrait aussi justifier les peines de Tolbecq à produire des détachés rapides. Par ailleurs, les démanchés indiqués sont tout aussi discutables. Tolbecq admet volontiers que rien n'est aussi difficile que de s'assimiler à un instrument dont l'accordature et le nombre de cordes diffèrent de celui qu'on pratique, et que pour jouer de la viole, il faut l'avoir travaillé. La vie est malheureusement trop courte pour apprendre à la fois les instruments du passé et ceux du présent. Il a conscience de ses limites techniques au sujet des pièces de viol de Marin Marais. Il dit « Je recommande ces 5 livres aux artistes et amateurs qui voudraient jouer sérieusement de la viole. Ils y trouveront des pièces de premier ordre malheureusement difficiles, et d'autant plus difficiles qu'on n'a plus l'habitude de jouer des instruments à cordes avec des sillets ou cases mobiles, et qu'il faut absolument mettre le doigt juste à la place sous peine de jouer faux. » En 1899, dans une lettre à Arnold Dolmetsch, Tolbecq indique à propos des pièces de viol de Forqueray « Vous savez que les doigtés sont souvent fautifs pour nous autres modernes, cela vient naturellement de ce que nous jouons la viole sans sillet mobile et en corde, et que nous sommes obligés de mettre les doigts à leur place rigoureuse. » Forcé de constater que sa pratique de la viole semble assez peu en adéquation avec les remarques pourtant justifiées qu'il émet dans L'art du luthier, et sa technique se révèle être beaucoup plus proche de celle adoptée pour le violoncelle. Que penser, par exemple, de sa reconstitution de basse de viol montée ici sans frette, avec pic, et de l'archet moderne qui semblait utilisé avec?
Autrement dit, Tolbeck se pose les bonnes questions mais ne trouve pas véritablement de réponse technique à mettre en œuvre rapidement dans sa pratique de la viole. Il est en quelque sorte contraint par son apprentissage du violoncelle et orienté par la recherche d'une esthétique sonore qui ne peut se faire en abstraction de son époque. Pour conclure, les partitions imprimées et manuscrites des pièces de clavecin en concert de Rameau conservées à Royaumont apportent un nouveau témoignage des connaissances de Tolbeck et de son usage des sources historiques et musicales pour sa pratique de la viole. Néanmoins, beaucoup de questions restent encore non résolues. Il convient de rappeler que la partie de viol, notamment dans le deuxième concert de Rameau, requiert une très grande virtuosité pour être exécutée sur une viole à 7 cordes. On pourrait ainsi penser, comme le suggère Florence Gétreau, que le luthier parisien Benoît Fleury ait conçu en 1759 ou 1769 un instrument expérimental à 8 cordes précisément adapté au répertoire de Rameau. Au sujet du concert du 23 décembre 1879 donné à Bruxelles, plusieurs interrogations demeurent sur le choix de l'instrument de dessus utilisé. En violoniste professionnel, Jean-Baptiste Collins joua-t-il réellement un dessus de viol ? En outre, puisque l'ensemble des pièces a été transcrit par Tolbeck, on peut supposer qu'il joua d'autres mouvements, peut-être lors des concerts privés qu'il organisa les vendredis et dimanches au Fort Foucault. Une recherche plus systématique dans la presse niortaise ou dans les comptes rendus émis par les sociétés savantes locales pourrait éventuellement le confirmer. Par ailleurs, il conviendrait également de s'intéresser à l'édition monumentale Rameau, publiée chez Durand et dirigée par Camille Saint-Saëns, et à sa version des pièces de clavecin en concert parue en 1895. En autodidacte violiste, comme beaucoup d'autres instrumentistes s'intéressant au répertoire ancien, Tolbeck a conscience de ses limites techniques mais ne parvient pas à les surmonter tant sa perception de l'instrument reste ancrée dans sa pratique du violoncelle et dans son époque. Ses partis pris sont donc tout autant discutables que l'intransigeance dont il fait preuve envers ses collègues. Il faut reconnaître qu'à sa décharge, Tolbeck a choisi sans doute avec les pièces de Rameau l'un des répertoires les plus difficiles en la matière pour cet instrument. Enfin, pour approcher au plus près sa perception de la musique de Rameau, il resterait à réaliser une exécution de ses pièces à partir des parties séparées manuscrites. Je vous remercie de votre attention.